À la montagne, l'Éternel a pourvu. À la montagne, l'Éternel a pourvu. Il y a une parole pour toi qui vient de la montagne. Moïse est monté à la montagne pour aller chercher la parole. L'apôtre pour la parole. Alléluia. Vous pouvez m'aider de rester un peu, juste un cantique. Merci. Alléluia. L'adoration libère une puissance. Demande au voisin s'il a amené la télécommande. Qui n'a pas amené? Qui a amené? Où c'est? Il y a une télécommande. Il y a des piles là-bas. Il y a... Oh non, ça c'est pour toi, pour le travail. Il y a quelqu'un là-bas qui a amené la télécommande? Gloire au Seigneur. Vous savez, la folie là, c'est la foi. Moi j'ai ma télécommande. Je vais changer les chaînes. Vous savez, Dieu est tellement... Parfois, il agit avec des humours, hein, le Seigneur. Mais il fait des choses. Vous allez voir aujourd'hui que ça va marcher. Dis aux voisins, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Surtout quand on a une télécommande... comment on appelle ça? Standard. Comment on appelle ça? Universel, voilà. Même si c'est le char, même si c'est Philips, ça va passer. Nous avons une télécommande universelle. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il change toutes choses. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui, on va commencer à utiliser la télécommande spirituelle. Nous allons chanter un cantique selon que l'Esprit va conduire la chorale. Si vous êtes d'accord avec nous, nous allons nous lever pour adorer juste avec un cantique et nous allons écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur, le Dieu qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Gainatika komi lela lela, Gainatika komi yokamawa. Bona ebiete masia logadi. Gainatika komi lela lela, Gainatika komi tungisaka. Bona ebiete. Masia lobaki, alola bakoye mba, elonga, elonge monami, kolo, kolo kumama, lobongi na lobu. Oh, my.
swa camino bomo inangara kabana yesu ona yegete nasia logati era tika kotale la mokili helikana na epai na yesu ona yegete nasia Mama, yo bongina lo kolo kumama, 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 yo bongina masa jobi mama, yo bongina lo kolo kumama, yo bongina lo kolo kumama. Acclame le roi des rois, le Seigneur de gloire. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans le livre de Juges, au chapitre 16, verset 5. Nous allons beaucoup adorer ce soir. J'ai arrêté parce que l'esprit commençait déjà à se fâcher, donc il fallait arrêter, sinon on n'allait pas prêcher. Nous allons lire quelque chose. La visitation divine au travers du système de la télécommande, c'est-à-dire une intervention des dieux sans utiliser les mécanismes humains. Et comme vous le savez, dans chaque système, il y a des codes. C'est ces codes-là qui déclenchent l'action de ces systèmes.
Et dans la marche avec Dieu, il y a des secrets. Il y a des choses, quand tu touches à cela, quelque chose se déclenche. La Bible est un livre de codes. Dans la marche chrétienne, la vie est faite de secrets. Vous savez, la vision, s'il faut le définir, la vision, c'est le plan global de Dieu. Je vais parler aujourd'hui de la puissance du secret pour commander la visitation divine. Amen. La visitation divine est là. Le Saint-Esprit nous visite à chaque moment. Quand il vient dans son programme pour nous toucher, il est disponible. Mais il faudrait que l'homme qui est bénéficiaire de cette action, de cette visitation divine, puisse découvrir le secret déclencheur de la manifestation de cet esprit dans notre vie. Alléluia. Laissez-moi vous dire que le fait de se trouver dans le plan de Dieu ne vous donne pas une totale, il ne vous donne pas le 100% des chances de vivre l'accomplissement total du plan de Dieu dans votre vie. On peut être dans le plan de Dieu et manquer quelque chose et passer des côtés. Vous savez que Moïse, par exemple, je vais parler d'Abraham d'abord. Quand vous lisez, je vais revenir dans notre verset, laissez-moi d'introduire un peu cette pensée. La Bible dit qu'Abraham, dans le livre de Genèse au chapitre 12e, à partir du verset 1er, quand Dieu a appelé Abraham pour sortir, il a dit: quitte ton pays, la maison de ton père, ta nation, vers les lieux que je te montrerai. En parlant ainsi, Dieu était en train de lui donner, révéler son plan. C'était une vision qui définissait d'une manière globale la pensée de Dieu pour Abraham. Dans la pensée de Dieu, la première pensée de Dieu, il n'y a pas trop de détails. Dieu vous dit: sors vers les lieux que je te montrerai. Et en ce moment-là, Dieu n'avait pas donné les détails à Abraham en disant: quand tu quitteras ici, voilà ce qui va arriver point après point. Cela n'arrive pas souvent dans la marche avec Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, mais entre l'alpha et l'oméga, nous marchons avec lui comme étant Dieu Emmanuel parmi son peuple, comme étant Dieu qui marche avec ses enfants. C'est pourquoi je crois, par la puissance du Saint-Esprit, qu'en venant ici pendant ces 40 jours, chaque jour cache un mystère que nous avons besoin. Chaque jour vient, chaque culte vient avec un plus. Et si nous saisissons l'action de l'Esprit, nous allons finir ce programme avec la bénédiction de Dieu. Dieu ne dit pas toujours au début tout ce qu'il veut faire, mais il vous donne d'une manière globale sa pensée. Il dit: sors de la maison de ton père vers les lieux que je te montrerai. Prenez, s'il faut actualiser ça en termes d'image, vous voyez Abraham sortir, il dit au voisin: en tout cas cette nuit Dieu s'est révélé à moi, et donc je dois devoir vous quitter ici en Chaldée, en Ur, en Mésopotamie, parce que Dieu m'a demandé de quitter. Je suis en train de voir un de ses voisins, un des amis vraiment attaché à Abraham, lui dire: mais donne-nous même l'adresse là où tu vas, comme ça de temps à autre nous viendrons. Il m'a seulement dit de sortir. En marchant, il va me dire là où je vais arriver. Il dit: hey, Abraham, soyons sérieux. Donc tu ne sais pas là où tu pars. Il dit: bon, il m'a dit de sortir. Dieu aime des hommes qui ont confiance en lui. C'est pourquoi nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Si votre mari, si vous êtes épouse, votre mari vous dit le matin: lave-toi, on va aller quelque part. La confiance que tu donnes à ton mari, tu sais que, ben écoutez, quand il dit allons quelque part, sûrement il y a il me cache quelque chose, peut-être une grande surprise. Mais la femme ne dira pas qu'il ne boumanga ton uni, parce que tu sais que c'est ton mari qui te dit: sors et va. Vous savez que quand Jésus-Christ a rencontré les disciples pour la pêche miraculeuse, il ne leur a pas dit: Pierre, si tu me donnes la barque, tu verras les poissons que je vais te donner. Je suis sûr que s'il avait dit comme ça, il y aurait eu une bagarre entre Pierre et les autres disciples, parce que chacun allait vouloir donner sa pirogue. Il dit: donne-moi la pirogue. Il s'arrête là. Il y a des choses que Dieu ne nous dira que lorsque nous acceptons d'accéder à la première demande. Ainsi, quand l'ange est venu dans le livre de Luc, je suis en train de poser ma fondation, il parle à Marie. Il dit:
Dieu m'a dit que tu auras un fils. Il a dit tout ce que vous connaissez. Et puis après, Marie dit, qu'il me soit fait selon la volonté de mon père. Mais avant cela, il avait posé et elle s'est dit, comment cela se fera-t-il? Quand Dieu vient donner un programme, le fait de connaître le plan de Dieu ne vous donne pas toute la possibilité d'atteindre ce plan-là. Entre l'ainsi dit l'Éternel et l'ainsi fait, il y a le comment de l'accomplissement. Et nous devons donc, quand nous venons ici, chaque jour, par des sommes de Dieu qui défilent ici, le Seigneur va te révéler le comment de ce qu'il t'avait déjà dit il y a des années passées. Si tu saisis le comment, alors l'ainsi dit deviendra l'ainsi fait. Je parle à quelqu'un ici. Et donc nous devons être sensibles. Tu peux avoir la télécommande devant ta télévision, mais si tu ne sais pas quel bouton veut dire quoi, tu vas mourir devant la télévision avec la télécommande. Alors la personne qui aura découvert le secret, il viendra l'utiliser parce que l'ignorance tue. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il ne suffit pas d'avoir la grosse Bible. Il faut alors découvrir pour chaque chose quel est le point déclencheur de la faveur du Seigneur. La visitation de Dieu, oui. Le Saint-Esprit va nous toucher, oui. Mais comment cela se fera-t-il? Quels sont les points déclencheurs de la visitation de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions bien manier ce que Dieu nous a donné? Je vais vous donner une illustration. On était encore des enfants. Mon père avait une sorte de calibre 12 à l'époque. On était des enfants. Bon, contre Mamie, Bissoukoubaye, bon, je ne sais pas. Bon, il avait ça. Et puis à chaque moment, à l'époque, Mikolo Mamie, ben, dis-moi, Mouké. Quand les miyibi venaient tant sur la carte qu'on avait voisé parce que miyibi lui sortait la fenêtre qu'on a papa pour un peu. Et ces jours-là, notre père n'était pas à la maison, il était à Lubumbashi dans le cadre de la mission de son service, et notre grand frère est resté. Le papa lui avait appris comment tirer. Mais vous savez, s'il ne faut pas seulement savoir tirer, il faut d'abord maîtriser l'atmosphère et tirer après, parce que ce que vous voyez peut vous enlever le courage de tirer. Eh bien, ce jour-là, papa n'était pas là. Les miyibi sont venus chez nous. Et nous avons appris. Donc, Azo Kima, ça veut dire que Ya Kimi va miyibi batikali. Sukoyo, grand frère, il fallait à Matana. Place Bachara Mondouki à l'époque, nous sommes dans les années 80. Pour bimé ça moi calibre 12 wana pour asala moi manœuvre. C'est ce jour-là que j'ai vu mon grand frère à toki na ndenga osakanate. Parce que la maman lui dit mais Mondouki ça na betata pabakima. Banda simeka balobi. Donc tu sens que frère, vous savez, parfois nous avons ce qu'il faut. Mais il nous manque quelque chose pour avancer. Je prie que l'esprit du Saint-Esprit, qui est l'esprit de courage et de force, te soit communiqué pour agir face aux problèmes que tu vas rencontrer dans le nom de Jésus-Christ. Une fois, je me rappelle, je devais aller parce qu'à l'époque, on avait des toilettes des Turcs. Donc, il faut sortir de la maison, traverser la parcelle et aller au fond. Eh bien, c'est papa qui avait l'habitude d'accompagner les enfants la nuit pour aller faire cet exercice. Mais papa n'était pas là. Et les grands frères, comme toujours, il était géant là, il prend les trucs là, il sort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant que moi j'étais là-bas, je ne sais pas si je vais appeler ça dans les urnes ou quoi. Mais lui, sûrement il a entendu des bruits. Et avec son arme, il s'est replié à la maison. Il m'a abandonné sans m'avertir. Quand je sors débranché du système de l'environnement, je ne savais pas ce qui s'est passé. Je sors, je trouve que le gardien n'était pas là. Et puis, je me rends compte qu'il est devant la porte. Donc, il y a un problème. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous avons la foi. Mais il nous reste de secrets déclencheurs de la puissance du Saint-Esprit. Pour que les choses changent, il faut découvrir cela. Vous savez, il est établi que toutes les personnes qui réussissent, qui font des exploits exceptionnels,
Toute transformation ou succès hors pair sont tributaires de la découverte des secrets. Celui qui ne découvre pas le secret vivra comme tout le monde. Les Français disent les mêmes causes produisent. Si vous faites les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Mais le monde n'a pas besoin de gens qui se ressemblent. Le monde a besoin de gens rares et particuliers. Parce que si vous êtes deux qui se ressemblent, un sera titulaire, l'autre sera réserve. Alors, tu ne sais pas quand est-ce que tu seras titulaire, quand est-ce que tu seras réserve. Tu dois être toi-même. Et pour être toi-même, soi-même, il faut découvrir le secret déclencheur de ta vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est là que les choses changent. Et c'est pour cela qu'un jour, un frère qui s'appelle Kenneth Hagin, ce monsieur-là, il a vu que il y avait Kenneth Copeland qui avait un succès particulier. Et comme, non, je dis, c'est Copeland qui vivait dans une pauvreté objective, une pauvreté moins 4, dans, en dessous de la loi normale de la pauvreté, où vous mangez par délestage, vous mangez après prière, ainsi de suite. Une pauvreté impossible. Il regarde, il dit, mais il y a M. Kenneth Hagin, lui, il vit dans une prospérité terrible. Il dit, ce monsieur doit avoir quelque chose qui fait qu'il soit ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu sa petite voiture qu'il avait. Il a acheté les cassettes de Kenneth Hagin. Il achète des cassettes parce que quand on donne les communiqués à la fin, ici, les cassettes, c'est 1400, des choses comme ça, ou 3000, des choses. Bien aimé, la vie d'un homme se cache dans ce qu'il dit. Si tu veux savoir vraiment ce qui fait la force du prophète Kawata, écoute-le souvent, tu vas découvrir. Tu verras que dans ses dires, il y a quelque chose qui se répète souvent. C'est là la force de sa vie qui déclenche le processus des miracles de Dieu autour de lui. Quand tu veux aller loin, tu dois être prêt à te sacrifier aujourd'hui. Si tu n'es pas prêt au sacrifice, le succès ne t'appartient pas. Le succès n'est pas une surprise, n'est pas un accident. La réussite est le produit d'un travail conscient. Il n'y a pas de succès sans prix. On doit payer le prix pour accéder à la gloire. Et sinon, ce gars a vendu sa voiture. Il s'est acheté les cassettes, il est parti s'enfermer chez lui. Il a commencé à écouter les cassettes. Il a découvert dans ces cassettes que cet homme a un secret. Il y a quelque chose qui fait qu'il soit comme ça. Il a commencé à l'appliquer. Au bout de quelques années, parce qu'il avait découvert le secret, Dieu l'a béni. Et il est revenu donner une offrande d'un avion à Kenneth Hagin. Je ne sais pas quelle offrande Dieu a amené aujourd'hui. Je parle d'un avion. On amène une offrande. Je ne sais pas si l'avion a des clés ou des contacts. Qu'est-ce que l'avion a? Des boutons. On amène un avion en termes d'offrande. Imaginez, quelqu'un vient ici, l'avion atterrit ici. Il dit, bon, offrande. Pour ça, il y a une conversion, il y a un miracle. D'ailleurs, dans la Bible, vous allez voir, à chaque mois qu'il y avait un miracle, les gens eurent peur, ils crurent. Il y a des miracles qui amènent la conversion dans la vie des gens. Et il est établi que ce garçon-là qui était pauvre au jour d'aujourd'hui, il a déjà réussi à faire 5 offrandes d'avion. Hein? Il est dans sa 5e offrande en termes d'avion. Tu sais pourquoi? Il a découvert le secret. Le même Saint-Esprit, la même Bible, mais compris d'une certaine manière. Vous savez, quand vous regardez la télé, il y a des chaînes, quand tu mets comme ça, ça montre, mais ça ne parle pas. Tu peux croire que télévision, on peut y avoir chinois ou ce qui est japonais. Ce n'est pas un problème de la télévision. Entre dans les systèmes, change ce qui est bleu, ce qui est DN, ce qui est DK. Le son va sortir. Tu dois dans la vie chrétienne entrer dans les options de l'esprit. Le Saint-Esprit a des options. Il faut découvrir l'option qui déclenche le processus de son action dans ta vie. Je parle à quelqu'un. La découverte du secret te donne de la vitesse. La découverte du secret te donne de l'autorité et de la domination. Celui qui connaît plus règne sur ceux qui ne connaissent pas. Je parle à quelqu'un ici. C'est comme un papa qui venait du village et son fils lui avait envoyé un petit téléviseur là, en noir et blanc là où on tourne l'histoire. Bon, lui il ne connaissait pas l'histoire des télécommandes. Et puis quand il est venu à Kinshasa, il regardait la télévision au salon et il voulait changer de chaîne. Et il s'est rendu compte que c'est que lui, là, chez lui, là-bas, les boutons là qui tournent, il n'y en a pas. Et
son coco, son petit-fils, était en train de traverser le salon pour aller à la cuisine. Il a vu que son grand-père était devant la télévision. Il regardait. Et puis il était là. Oh, le petit dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ensorcelait la télé ou quoi, okay? Et puis il regardait. Et puis quand il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un, il tourne et dit, mais Eloko baba lo sarawana pour la gotia Esawa. Nasolu kamwesate. Le petit fils a commencé à rire à la bille. Pépé, yopé le sousou. Au moins, il place au fond de l'eau, au moins, il y a un peu de. Donc, pour la télécommande, il y a un peu de temps. Quand il y a un peu de temps, il y a un canne magique, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour changer de chaîne. Mais comme il était limité, la puissance de l'homme dépend de la qualité des informations qu'il reçoit. Si tu es mal informé, tu auras une mauvaise direction. Mais la qualité des informations va t'amener à avoir une vie de qualité, un témoignage dans ta vie. Cela est très important de découvrir le secret pour que le secret nous amène quelque part dans la gloire. C'est pourquoi dans le livre de Juges chapitre 16, la Bible déclare, à partir du verset 5, la Bible déclare, le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous les donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alléluia. On a dit que ce qu'on lui avait proposé, c'était équivalent de 3 ans de salaire d'un soldat. Alléluia. Et donc, on a vu que Samson, c'était un monsieur bizarre. Avec une mâchoire d'âne, il tue 1000 personnes. Quand il fait comme ça, 1000 personnes tombent. Ça, c'est quel. Sûrement, derrière cette force, il y a quelque chose. Derrière toute transformation exceptionnelle, derrière tout exploit hors pair, se cache un secret. Celui qui découvre les secrets accède au succès. Ainsi donc, ils ont compris que ce monsieur doit avoir un secret que nous ne connaissons pas. On a utilisé Dalila pour prendre, retirer de Samson le secret. Comme ils ne connaissaient pas les secrets, ils avaient du mal à le dompter. Et la femme a fait ce qu'elle devait faire. Quand on a livré le secret, il était devenu faible. Il y a un secret qui fait ta force. Il y a un secret qui peut attirer la puissance de Dieu dans notre vie. Il y a quelque chose qui peut déclencher le système de la faveur de Dieu dans notre vie. Une maman était stérile et nous avions prié pour elle. Et Dieu nous avait dit, elle va concevoir. Par rapport à mon introduction, j'avais dit que la vision nous révèle le plan global du Seigneur. Il dit, tu vas concevoir. Ça, c'est une pensée globale. Mais comment tu vas concevoir? Là, le problème. C'est là où se trouve le problème. Quelques mois après, elle avait l'habitude de m'amener des costumes quand elle allait acheter ses histoires pour son magasin. Je crois avoir donné ce témoignage peut-être quand on était de l'autre côté. Et puis alors, elle est venue. Elle m'a dit, pasteur, prends le costume, je t'ai amené pour madame aussi, il y avait quelque chose, elle est partie. Elle a gardé un costume, un vrai costume, j'ai dit. Et quand elle est partie, Dieu lui a dit, prends encore ce costume, va donner au pasteur. Elle a dit, papa, j'ai déjà donné ce que j'ai donné. Et elle a mis ça dans son magasin. Une année après, elle a vendu tous les costumes sauf celui-là. Les gens venaient regarder, oh là là là, quel costume, ça coûte combien, madame, tu fermes à quelle heure, j'arrive, le monsieur disparaît. Je crois que l'ange de l'Éternel les avait chassés parce que c'était un costume réservé aux serviteurs de Dieu. Et les jours que j'ai vu ce costume, j'ai dit, Dieu avait raison, parce qu'un tel costume ne pouvait qu'être pour le pasteur. Une année après, finalement, il les regarde, il dit, mais ce costume, comment la vente? Le Seigneur lui a dit, je t'avais dit de prendre ce costume, d'amener le pasteur. Et ce jour-là, le matin, il vient, elle entre et dit, papa, costume-le, en gros. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça fait une année, elle commence à parler. Dans mon témoin, dans l'hôpital, a tel costume, on a dit, maman, t'as eu mon costume, où est-ce qu'il y a pasteur? J'ai dit, que Dieu te donne ce qui s'est caché derrière cette offrande. Elle est partie. Trois mois après, elle a conçu. Vous savez, il y a des gens qui ont adopté leur maladie. Hein? Donc, pour elle, c'est comme ça. Quand elle est tombée grosse, et bon, je ne sais pas pourquoi on dit qu'elle est en retard au lieu de dire en avance. Et puis le médecin lui a dit, tu es en retard de 3 mois. Bon, tu es en avance de 3 mois. Elle dit au docteur, moi je ne conçois pas. Le docteur dit, c'est moi qui suis le docteur. Il dit, oui, mais je t'apprends que je ne conçois pas. Et la personne m'a dit, ah, change d'hôpital. Il est parti ailleurs. Le médecin dit,
tu es en avance de 3 mois. Oh. Il appelle son mari et dit, ah, chante. Troisième, il dit, non, 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 prenons ça au sérieux. Finalement, la dame a conçu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu avait dit, tu concevras. Mais le comment, c'était le costume. Donc l'enfant était caché derrière le costume. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que tu peux dire au voisin, tu dois savoir le comment de l'accomplissement de ta vie? Il y a des gens qui se lèvent et disent, Dieu m'avait dit ceci. Oui, Dieu avait dit cela. Mais comment il va l'accomplir? Comment il va le faire? Si tu découvres les comment, ta vie change. Et dans la Bible, il y a plusieurs secrets qui déclenchent la puissance de Dieu. Lisez avec moi le livre de 2 Rois au chapitre 5, verset 15. Quelque chose que nous connaissons, mais que nous négligeons. Vous savez que la Bible déclare, toute la terre, le monde passera, ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais avant et après l'existence, il y a quelque chose qui ne quitte pas le trône de Dieu. Il y a quelque chose qui ne quitte pas le trône de Dieu. Lisez avec moi 2 Rois, chapitre 5, verset 15. Il y a quelqu'un qui a trouvé? La Bible dit ceci. Vous avez trouvé? Non, non, excusez-moi, c'est 2 Rois 3, 15. Élisée dit, je commence par le verset 13. Élisée dit au roi, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers les prophètes de ton père, vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais pas d'égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne les regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Comme le joueur des harpes jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée et il dit. Amen. Nous lisons 1 Samuel chapitre 10. Rapidement, nous allons lire tous les versets et puis après nous allons continuer après. 10, 5 à 6. Après cela, tu arriveras à Gilboa et tu trouveras une garnison de prophètes. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel se saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16e. La Bible dit ceci. Le verset 17. Saül répondit à ses serviteurs, trouve-moi donc un homme qui joue bien et amène-le. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu le fils d'Esaïe de Bethlehemite qui s'est joué et c'est ainsi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure et l'Éternel était avec lui. Le verset 21, David arriva auprès de Saül, se présentant devant lui, il plut beaucoup à Saül, il désigna pour porter ses armes. Saül fit lui dire à Esaïe, je t'ai pris de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Paul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et les mauvais esprits se retiraient de lui. Quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 20, partie verset 22, la Bible déclare, quand ils commencèrent à louer l'Éternel, Dieu plaça de l'embuscade devant dans les camps de l'ennemi. Nous lisons le dernier verset de Josué chapitre 6 à partir de verset 2. Josué chapitre 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats, faites le tour de la ville.
tous vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes, et 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tous les hommes poussera des grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Et nous allons lire après Actes chapitre 12 à partir du verset 25. La Bible déclare au milieu de la nuit, et Paul et Silas commencèrent à prier et à chanter. La puissance du Saint-Esprit, c'est la louange et l'adoration. Quand vous lisez l'histoire de Dieu, l'histoire du diable, de Lucifer, on vous dit que Lucifer était un ange particulier, avec plus d'ailes que les autres anges qui étaient avec lui. Et la Bible dit, c'est lui qui conduisait l'adoration, la louange dans la présence du Seigneur. C'est lui qui entrait dans le Saint des Saints, parce qu'il y avait des anges qui n'avaient pas droit accès au trône profond de Dieu, sinon Lucifer. Et quand il sortait de cette présence de Dieu, il était couvert de la gloire de Dieu. Et cette gloire, c'est ce que contemplaient d'autres anges. C'est comme si lui, par rapport à sa mission, par rapport à sa fonction, en termes de chef de l'adoration, il avait un accès à Dieu à un certain niveau que les autres anges n'avaient pas. Et quand il entrait dans sa présence, dans la présence du Père, et il sortait de cette présence, il y a des anges qui s'inclinaient devant lui. Pas parce qu'on l'adorait, mais la gloire de Dieu qu'il portait faisait posterner ces autres anges-là. Donc, l'adoration qui est restée quelque chose de très important que l'Église aujourd'hui néglige, que la vie des enfants de Dieu, la marche des enfants de Dieu néglige, est quelque chose de très, très capital. Quand je regarde, la Bible nous apprend que lorsque la terre s'arrêtera, tout s'arrêtera, il y a quelque chose qui ne s'arrêtera pas. C'est la louange et l'adoration. Ça veut dire que Dieu est lié à la louange. L'atmosphère céleste est assise sur l'adoration. J'ai dit à l'aide, lui qui vient après l'adoration a raté les cultes. Parce que l'adoration, c'est même l'accès. Il veut dire, entrer dans la maison et chant dans les graisses. Ça veut dire qu'il a fait entrer dans le sein de Dieu. Il nous donne l'accès dans la lumière. L'esprit est là. La gloire du Seigneur est là. Voyez-vous, comme ce prophète, le premier verset que nous avions lu, il y avait un problème en Israël. Israël était attaqué. Et le roi a dit, allons chercher les prophètes pour que le prophète nous donne une orientation. On arrive chez les prophètes. Le prophète dit, oui, je peux travailler, mais j'ai un problème. Il faut que le ciel s'ouvre. J'ai besoin d'un musicien. Il dit, cherchez-moi quelqu'un qui sait jouer. Quand il va commencer à jouer, l'esprit descendra. Donc, il y a un point déclencheur de la puissance de Dieu. Il y a quelque chose qui libère l'action de Dieu, l'atmosphère céleste dans notre vie. C'est la louange et c'est l'adoration. Le prophète dit, il faut que vous m'ameniez quelqu'un qui sait chanter. Nous avons lu l'histoire de Saül. La Bible dit, un mauvais esprit venait sur lui, envoyé par Dieu. Mais quelle était la solution? On dit, ton problème que tu as, on n'a pas besoin de chasser les démons, on n'a pas besoin de guérir, mais il y a un secret, il y a quelque chose qui peut faire à ce que le problème que tu as trouve la solution. C'est quoi le secret? Il faut chercher quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Il faut chercher un musicien qui viendra adorer, chanter, et l'action de Dieu sera sur toi. Et quand les mauvais esprits venaient, David est en train de jouer. Donc il y a cette gloire là qui est déclenchée par la musique, par l'adoration, a amené le soulagement dans les cœurs de Saül. Bien aimé, la musique est une puissance. La musique est chrétienne, la louange et l'adoration est une force. Je ne parle pas des animations, je parle de la louange. Je ne parlais pas de. Un jour, j'étais parti dans une église, ça date de très longtemps, et j'ai demandé à la chorale de m'entonner un cantique, et puis ils ont entonné Tata Noé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre Tata Noé et puis le culte d'aujourd'hui? Tata Noé a fait quoi dans cette histoire? On parle de lever le Seigneur. Je ne parle pas de questions. Et puis vous savez, il y a des louanges, quand tu chantes, tu commences à pleurer, au lieu d'entrer dans la gloire du Seigneur, tu pleures. Je ne parle pas de ça. Je parle de la louange. Je parle de l'adoration.
Je ne parle pas des gens quand ils chantent, tout comme ils collent là, tout comme quand ils s'abattent là. Au lieu d'avancer, tout son qui n'abat pas si bon, tout comme ils collent là, l'église. Et ça m'attend à terre. Je parle de la louange. Je parle de la célébration. Que Dieu bénisse Salem Oloto, que Dieu bénisse le groupe Exo. Je parle de la louange. Il y a un moment où il y a un cantique, monsieur, dans l'église, où il y a un frère dans la Bible, à partir de l'eau, où il y a un cantique, on a pour eux, ils ont louange, eux, ils ont louange. Et ça n'a pas avancé, mon monsieur, parce que tout n'a pas avancé, mais que je suis tout n'a pas avancé, où les a louange. Je parle de la louange. Il est écrit, loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. C'était un cantique répété dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, à chaque moment qu'on disait ce que les cantiques d'Israël disaient, oh, c'est ça la, cette phrase qu'on répétait. Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. C'est pourquoi Paul et Silas, en étant dans la prison, ils ont dit, nous sommes enfermés, c'est vrai, mais il nous reste une possibilité pour libérer le système du ciel en notre faveur. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils prièrent et chantèrent les louanges. Et pendant qu'ils ont commencé à chanter, je suis convaincu que le ciel ne pouvait pas résister devant cela. Le ciel ne résiste pas devant l'adoration. Dieu a des points faibles. Comme les femmes connaissent les points faibles de leur mari. Une femme m'a dit un jour, dit, mon mari aime les mika. Quand il mange les mika, tu as comme l'impression que la terre s'est arrêtée. Il peut même te donner de l'argent que tu n'avais pas demandé. Alors qu'est-ce qu'elle fait quand elle demande quelque chose au mari? Elle dit, ah, j'ai pas d'argent. Le monde a l'objet à la mika. On va arranger ça. Je parle à quelqu'un. Il s'est passé une histoire bizarre dans le livre de Matthieu. La Bible nous dit que dans ces livres-là, on nous apprend dans le livre de Matthieu, chapitre 14, on nous apprend que on avait décapité la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était parti voir le roi pour dire, mais tu as pris la femme de ton frère, ce n'est pas normal. Et la femme de son frère, elle trouvait que c'était normal. Voyez-vous, je deviens reine parce que mon mari est mort et le grand frère de mon mari est roi. Il me prend quelle gloire. Mais le prophète dit, ce n'est pas normal. Et la Bible dit, cette femme était fâchée. Elle cherchait comment tuer le prophète. Mais elle était bloquée parce que le peuple savait que c'était le prophète de Dieu. Mais ces jours-là, il y a eu une grande fête. C'était l'anniversaire d'Hérode. Il y avait la musique. Il y avait la musique. Vous savez, quand je regarde une émission qu'on appelle Tangaba Wendo, et quand vous voyez ces papas-là, quand ils dansent, tu as comme l'impression que c'est tu sens que ce vieux papa ici n'est plus ici. Surtout avec leur danse-là, c'est terrible, les cha-cha-cha, des choses. Donc, ils adorent, là, je le vois avec la bière là que vous connaissez à côté. Ils chantent, ils adorent. Tu sens que ces garçons ici, ils ne travaillent plus, mais lorsqu'il est dans sa musique là, il oublie tout. Il devient. C'est terrible. Pourquoi? Parce que la musique a une puissance. La louange a une force. Pour permettre à l'esprit de téléguider ta vie, de changer les choses dans ta vie, il y a un secret. Il y en a plusieurs, mais je suis venu te parler de la louange ce soir. Et quand nous allons louer pendant quelques minutes ce soir, tu vas voir que Dieu va changer les choses dans ta vie. Les malades seront guéris, les problèmes seront renversés, parce que c'est Dieu est le même. Il dit tout passera, mais la louange demeure. Ça veut dire que Jésus-Christ consomme la louange dans l'éternité. Quelque chose pour lequel il ne se fatigue pas, c'est la louange. C'est l'adoration. C'est pourquoi même dans les tribus qui étaient en train de diriger, en fait, des tribus en Israël, l'une des tribus les plus grandes en termes de faveur, c'était Judas. Qui parle de la louange et de l'adoration. Et la Bible déclare, il est le lion de la tribu d'Issachar, n'est-ce pas? Il est le lion de la tribu de Benjamin, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand l'Éternel dit que je suis le lion de la tribu de Judas, il veut seulement nous dire que la puissance de Dieu se manifeste dans l'adoration et dans la louange. C'est là où la force de Dieu agit. Plus nous adorons, plus nous louons,
plus nous montons au-dessus de nos problèmes, plus nous écrasons les montagnes, plus l'Éternel descend et agit. Il a dit, je sied au milieu de la louange de mon peuple. Et cette phrase-là, le fait de dire, je m'assois, je descends et j'assieds au milieu, c'est une pensée. Les écrivains, les exégètes, en déchiffrant cette pensée, disent que le langage qu'on a utilisé là-bas, c'est le langage qu'on utilise lorsque le tribunal siège pour déclarer des sentences. Ça veut dire que lorsque nous adorons, Dieu descend comme juge. Quand il descend comme juge, ce n'est pas pour demander qu'est-ce qui s'est passé, c'est pour dire je décide. Et donc, si tu veux voir Dieu dans la dimension d'arrêter les sentences, deviens un adorateur. Quand nous le chantons, nous l'adorons, les choses changent. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ces jours-là, ils ont commencé à chanter et adorer. Les anges sont descendus, ils ont renversé les choses. Je me souviens un jour, on avait tellement faim, on sortait d'une grande retraite, on avait faim, on était encore disciples, il n'y avait rien à manger. Et j'ai dit à mon frère avec qui on était en prière, Tiara Kassani na moto, Pelisa moto, Tiamayati, Zwa sachet, toyemba tokende. Je connaissais la puissance de la louange. Bien aimé, toyemba, 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 tozui sachet, tobimi. Totiki nzungu na moto, le quoi pensa qui a bakoni, sa gravité, pel ramale, malembe. Tokomi quelque part, tokouté na soeur, moko, ah frère, boke wapi, bien aimé. Quand tu viens déjà d'appuyer le système déclencheur et que tu rencontres une femme providentielle, il ne faut pas faire semblant. Il y a des gens qui sont vides de la providence. Quand ils te demandent, il n'a rien, il ne faut même pas répondre. Mais quand tu détectes la réponse de Dieu cachée dans un homme, il te pose la question, « Boke wap, papa, la FC na lobby, tout est retraite, et l'on a relié à Ezate. » Ah puis, attends. Alléluia. Bon, louange, tout ça qui n'a pas sur ma panne, où il y a un retour, c'est qui différent. Pour on a sachez ça déjà, retourne, on a tout ça, il y a un bon. Bien aimé, la puissance de la louange brise les chaînes. Voulez-vous voir la manifestation du Saint-Esprit? Chantez, adorez Dieu comme vous l'avez jamais fait. Et vous verrez le ciel libérer le mystère de la faveur. C'est pourquoi lorsque les enfants d'Israël étaient attaqués dans le livre de 2 Chroniques 20-22, la Bible dit, sont venus brusquement et Josaphat a dit, qu'est-ce que je veux faire? Il a consulté l'Éternel. L'Éternel dit, ce combat n'est pas ton combat. Rassemble ton peuple et viens en face de tes ennemis. Mais au lieu de dire, prenez les armes, il a dit, prenez les mbunda, prenez les guitares. Je suis en train de voir les ennemis de l'autre côté avec des flèches. Et puis il voit Israël venir avec des tam-tam. Sûrement le chef de combat a demandé, il a dit, oui, mais ça qui que ça conserve sa guerre. Mais toi, tu sais que sa guerre. On va se faire un anime. Vous savez, dans la stratégie de guerre, Yanzambe, Dieu utilise des armes non répertoriées dans le système militaire. Il a ses armes à lui. Et parmi ses armes, il y a la louange. Je crois qu'ils étaient déconnectés. Ils ont un peu laissé leur flèche, ils disent, mais yo tant tinda que vous que tu es bitumba ou tu es koyemba. On aime ça qui bango guerre. Mais ça ne va pas. Et savait. Et au verset 22, la Bible dit, quand ils commencèrent à adorer, Dieu, par la télécommande de sa puissance, a injecté la confusion dans les camps de l'ennemi. Vous savez, ma grand-tour, on a un cache dans tout ça, on a mis Kawa. Et où Satanaza a copié à Mambe ou Tana Lola. Mon imoutou mouazo bunda, vous avez demandé à libérer l'esprit moro, au moment de ta masse tanayo, au lieu talaye. Si ma beaucoup est binomoko. Ma grand-mouna Nzambé na bandango. Il y avait trois peuples. Quand ils commencent à louer ici, l'esprit de la confusion tombe dans les camps de l'ennemi.
La Bible dit que les deux peuples ont commencé à battre l'autre peuple. À Koufi. Après, il y a Koufi, il y a Koufi. Donc, le peuple d'Israël chantait et Dieu combattait pour eux. Je suis convaincu que ce soir, pendant 2-3 minutes, quand nous allons adorer Dieu, l'Éternel va commander dans le monde invisible pour que tes ennemis tombent et disparaissent dans le nom de Jésus-Christ. Je vous avais donné une fois le témoignage selon lequel j'avais prié pour que l'eau sorte du robinet et Dieu m'avait donné un seau d'eau. Mais je ne vous ai jamais dit comment j'étais arrivé à cela. À ma conversion, on était dans une salle de retraite avec les anciens, des frères qui avaient reçu le Seigneur avant moi. On a prié, prié. Pendant la pause, je me reposais. J'ai entendu qu'il y avait des bruits derrière la parcelle. Je sors là-bas, je regarde des frères avec deux tam-tams autour du robinet. Oh. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ils chantaient, ils s'adoraient. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je venais de me convertir. J'ai dit, bon, dans la curiosité, là, je me suis approché. Je dis, maman, les aléas. Oh, maï, fouet, bima, pour tout ce que là, tout une évangélisation. Oh, maï, fouet, bima, eh. Je suis goyant, pour tu es bambounda, eh. Donc, si vous voyez, bien, bima. Oh. J'ai dit, mais ça, c'est sérieux, ça. C'est intéressant. Alors, moi aussi, je suis resté là-bas en train de chanter, mais pas comme eux. Quand je chantais là, c'était une façon d'être ensemble pour me battre. En réalité, j'attendais les résultats. J'étais en train de chanter en disant, bon, c'est comme Rambo Sukawap. Mais bah frère Wana, oui bah. Ah, oui bah louange à Kalabambunde, ça a la concentration. Oui, mais que frère Asoubeta Mabou, on dira ça sur Wanate. Rouka chakwa, papa, raka ma basse. Mbalamono kakabo, pou, maïbimi. Maïbimi. Tout toki ba maïwana évangélisation, maïpe katanisili. Des places miracles là où on a témoigné et où ta inspiration où ta wana. J'ai compris que quand on chante, Dieu quitte son trône, il descend, il porte sa toge, son toge na yewana yaba juge, il descend pour déclarer des sentences, il proclame que toi tu es guéri, il proclame que toi tu es libéré, il proclame que toi tu es affranchi. C'est ce que l'Éternel fait. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ne chantes pas comme tu as l'habitude de chanter. Que tu n'adores pas comme tu as l'habitude d'adorer. Ce n'est pas lorsque les chanteurs viennent ici, tu commences à regarder la zone. Ce n'est pas un spectacle. Tu dois entrer dans le système pour déclencher le processus du Seigneur. Alors, Israël était en face de Jéricho. Il fallait prendre possession de Jéricho, traverser la mer, le Jourdain, et prendre possession de ce pays. Mais le Seigneur dit, voici la stratégie du combat. Il dit à Josué, prends les sacrificateurs qui portent l'arche, mais devant ces gens-là, mettez les chantres. C'est les chantres qui précèdent. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux chantres, vous avez une lourde tâche de nous amener dans la présence du Seigneur. Si vous ratez, vous serez sévèrement giflé par l'Éternel parce que c'est vous qui nous conduisez dans cette histoire. Vous devez vous concentrer. La concentration, ce n'est pas le problème des prédicateurs. C'est d'abord aussi votre problème. Parce que c'est avec l'onction de la louange que les portes s'ouvrent et que nous accédons dans le saint de saints. Il chantait et les sacrificateurs étaient en deuxième position. Il a dit, la dernière fois que vous allez faire le tour, lorsque vous entendrez le son de la trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, il y aura une télécommande spirituelle qui va envahir les camps de l'ennemi et la muraille sera renversée. Je suis venu dire à quelqu'un, la visitation du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est assise sur un secret déclencheur. C'est la louange et l'adoration. Si tu entres dans ce domaine, les choses ne seront plus les mêmes. Si tu entres dans ce domaine, tu ne resteras plus la même personne. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais qu'en acclamant les Seigneurs, que la chorale arrive ici. Nous allons chanter et adorer pendant 2-3 minutes. Et je t'annonce de la part du Seigneur comme un prophète de Dieu, que pendant ce moment d'adoration, quelque chose se passera dans ta vie. Nous allons prendre 5-10 minutes par rapport au temps. Mais